This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny, ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Salut et bienvenue à toi dans ce vidéo test spécial Max Payne 3. Alors, moi je suis Bébête et aujourd'hui on va se consacrer aux parties solo de Max Payne 3. Donc la partie solo, qu'est-ce que ça comprend? On va faire un petit tour sur le mode histoire, bien sûr sans spoiler pour que tu puisses la faire tranquillement et que tu puisses prendre autant de plaisir que moi à jouer. Et pour terminer, on va aller faire un petit tour dans le mode arcade, le mode score attack. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans Max Payne 3, donc il y a Max Payne qui a perdu sa femme et sa fille, elles ont été tuées. Là, on est un petit peu plus tard que ça, puisque maintenant Max Payne n'est plus dans le New Jersey. Il a été recruté par, vous verrez bien, Marcelo, il s'appelle, afin de protéger une riche famille, Rodrigo. Alors la riche famille, la femme de Rodrigo, elle a été enlevée, bien entendu ça pouvait pas se passer comme ça. Il essaye de récupérer la femme, sauf que il y a du complot, il y a de la bande organisée, il y a du gang de favelas. Bref, il y a une aventure épique qui nous attend. On peut pas s'arrêter de jouer. Moi perso, je ne fais que ça. Non, je rigole, je déconne. Je mange aussi et je vais dormir. Donc, on va faire un petit tour sur le mode solo et après le mode score attack. Donc, je t'invite tout de suite. J'espère que tu n'as pas le mal de mer, parce que on va faire un tour en bateau, je m'occupe du flingue, toi tu mets ton jet de sauvetage, au cas où tu tombes, j'essaierai de te rattraper.
et je te dis à tout de suite. Ça y est, c'est parti. Mets ta ceinture, accroche-toi bien. Et là, ça y est, on est sous le feu de l'ennemi. Donc, on récupère la femme de notre ami Rodrigo qu'on protège. Fabiana, elle s'appelle. Il y a la milice qui l'a enlevée. Donc ça, on vit tout depuis le début, donc depuis l'enlèvement jusqu'à chaque fois essayer de la récupérer. Vous avez, comme vous le voyez, toujours le bullet time qui est utilisable dès que vous en avez. Vous avez la petite barre en bas à droite, juste à côté du bateau. Quand elle est pleine, elle est toute blanche. Quand elle est vide, elle est blanche, transparente, comme le bateau qui est encore en vie. Vous allez avoir affaire principalement à des hommes armés. Pourquoi ? Ah, je vous dis ça tout simplement parce qu'il y en a qui vont être plus ou moins armés. Donc vous allez avoir les gangs qui vont avoir des kalachnikovs mais qui vont pas avoir de gilet pare-balles. Par contre, là, vous allez avoir des gens qui sont plutôt bien armés. Alors ils ont pas forcément des gilets pare-balles, mais ils vont avoir des lance-roquettes, des grenades, des molotovs ou des choses comme ça. On nous en balance pas mal. Et en plus, ils sont malins les petits. Ils sont malins. Là, ils ont essayé de nous faire foncer dans des pylônes. Donc là, j'utilise le bullet time pour viser toutes les cibles en pleine tête. Comme ça, ça évite que moi, je me prenne des balles et qu'ils me tuent. Donc le bullet time, c'est ce qui a fait la compétence et puis la spécificité de Max Payne. Ça ralentit le temps, vous avez le temps de viser et d'éviter les balles, de sauter comme un cabri pour viser en pleine tête et de tuer plus rapidement vos ennemis. Alors je vous le dis tout de suite, c'est comme dans les autres Max Payne, si vous l'utilisez pas, c'est mort, enfin vous allez mourir. Alors là, on voit qu'il y a une petite scène d'action sympathique. Et bah justement, des scènes comme ça sympathiques, il y en a énormément. Alors là, je vais utiliser le bullet time, je pense, ouais voilà. Donc une balle dans la tête, deux balles dans la tête. Le but, c'est de buter tout le monde, pour être tranquille. Donc le bullet time ne dure pas infiniment. Donc là, je viens de débloquer un succès, partie 1 terminée, donc il y a 3 parties à faire. Le jeu est assez long, j'ai joué un petit peu plus de 4 heures, je suis mort plusieurs fois, parce que j'utilise pas assez le bullet time, justement. Voilà, ça c'est notre amie Fabiana qu'on doit sauver. Elle a morflé, donc à chaque fois on est à deux doigts de la sauver. Malheureusement, on ne la sauve pas. Donc là, je vais vous laisser regarder, enfin écouter rapidement l'histoire, et puis on se reprend juste après. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Pas une seule seconde de répit, on retourne direct au combat. Alors, vous l'avez remarqué, je pense, l'aspect aussi de Max Payne, c'est que c'est l'immersion et la narration sont omniprésentes. On est tout le temps, on est plongé dans la tête de Max quand il y a les textes, les sous-titres qui s'affichent en dessous en gris. C'est ce que lui pense, et on est souvent confronté justement à son esprit torturé. Donc Max Payne est alcoolique, il essaye d'arrêter. Il n'arrive pas à se remettre, dans le droit chemin. Il pense qu'il est raté. Enfin, tout un tas de choses qui nous accompagnent et qui nous mettent à fond dedans. Donc, on se prend vraiment pour Max Payne. Et ça, c'est génial. Donc, entre toutes ces scènes d'action comme là, les ennemis sont armés, mais ils ont en plus, ils sont coriaces quoi. Si vous les visez pas dans la tête, vous allez user pas mal de balles. Ils auront plus de chances de vous buter. Alors, heureusement, quand vous regardez en bas à droite, vous avez un chiffre 4. Avec une espèce de petit truc blanc. En fait, c'est une boîte de médicaments qui vous permet de vous redonner de la vie. Alors là, il y a un petit mec, j'arrive pas à l'avoir. Je vais lui faire un petit coup de bullet time. Voilà. Donc là, 2-3 coups de cartouche. Là, j'ai eu la possibilité de ralentir le temps. Donc ça permet de rajouter un petit peu plus à l'effet scénaristique, l'effet d'immersion. Donc à chaque fois,
à chaque personne ennemie qui sera mort, et qui, vous verrez l'effet caméra bullet time, ça veut dire que la zone sera vide et qu'on va passer à une map, enfin, à une zone suivante. Alors, niveau graphisme, musique, toutes ces choses-là, réalisation, on va parler grossièrement de réalisation, j'ai aucun, enfin quasiment aucun reproche. Les graphismes, les couleurs, c'est net, il y a quelques effets de lumière rapides. La finition est super, super bien faite, super bien négociée. Il y a quelques petits détails et quelques petites textures qui sont pas top. Mais bon, on n'a pas le temps de regarder, on démonte tout, tout est destructible, tout est, enfin, vous avez des impacts, tout est réaliste, et la musique est omniprésente, donc la musique est en même temps un critère supplémentaire d'immersion. Donc vous l'aurez compris, Max Payne 3, c'est vraiment un jeu où on est à fond dedans, où on a envie toujours d'aller voir plus loin. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, bon, en même temps c'est du Rockstar, donc c'est pas étonnant. Alors, on va se retrouver pour la partie score attaque. Je vous dis à tout de suite. Allez, je vous fais découvrir la partie score attaque qui est disponible à chaque fois que vous réussissez, enfin vous débloquez un niveau, enfin un chapitre. Donc là, on va commencer directement sur les toits, ouais, ça sera pas mal. Donc vous avez la possibilité de choisir la visée. Le chargement est un petit peu long, donc je vais le couper et puis bah dès que ça commence, je reprends. Allez, ça y est, nous y sommes. Donc il y a là-bas, il y a notre pote. Donc un d'abattu. Deux d'abattu, je me suis pris quelques balles. Dans le mode score attaque, plus vous faites des tirs dans la tête, des tirs bien placés et des combos, plus vous allez marquer de points. À chaque fois que vous allez passer en bullet time, comme ici, là j'ai marqué x2. Alors, bien évidemment, quand vous vous prenez des balles, ça vous fait moins 5. Ou quand vous prenez des médicaments, ça vous fait moins 50. Donc, attention. Si vous voulez être un pro, il va falloir se la jouer à la Max Payne. Alors, en fait, le mode score attack, c'est exactement la même chose que le mode... que le mode histoire, sauf que vous devez... enfin, vous avez la possibilité de faire des points supplémentaires. Alors, je vais essayer de courir. D'habitude, je me couvre. Ah bah ça marche aussi, ça c'est cool. Alors je vais essayer de m'abattre les snipers. Qu'est-ce que tu me fais Max? Voilà, un d'abattu. Mince, je croyais qu'il était abattu et finalement il était pas. Ah bah celui-ci il est bien mort. Bon alors voilà, les snipes, tous les tous les snipers ne sont pas morts. Voilà, merci. Alors, hop. Voilà. Wow. Alors, je pense qu'il y avait... Ah ouais, c'était un Uzi tout à l'heure qu'il y avait là. On va le ramasser. La petite roulade sympathique. Il y a tout un tas d'actions comme ça, comme la roulade, qui permettent d'agrémenter le gameplay de Max Payne. Excellent. Allez, la cinématique, on s'en fout. Vous la verrez vous-même. Alors, on continue. Là, les flingues, j'ai toujours... j'ai remplacé le Uzi par le flingue. C'est par là qu'il faut aller. Vous remarquerez que tout au long des scènes, que ce soit d'action ou de repos de Max Payne 3, vous avez la possibilité d'examiner l'environnement. Trouver des indices, un petit peu à la L.A. Noire. Ça va vous rappeler quelque chose. J'ai vu en passant qu'il y avait un Uzi, il me semble, alors je vais essayer de le récupérer, je sais plus s'il est... Ah, s'il est là, il est devant. Donc normalement, il va faire une petite roulade. Ah mince, je suis mort. Donc là, j'ai des cachets. Quand vous tuez l'homme qui vous a mis à terre, vos cachets sont pris automatiquement et vous revenez en vie. Ça vous évite de mourir et de tout recommencer depuis le début. Vous remarquerez que j'ai quand même niqué le mec qui était sur le toit avec le fusil à pompe. On va continuer avec le fusil à pompe. Un coup, deux coups... Et trois coups, allez bing, y'a plus personne, le bullet time c'est de la balle. Allez, ça c'est fait, là j'ai rechargé, là on va recharger aussi. Je ne sais pas si je vais avoir du monde. Oh bah, y'en a un qui est caché là, allez on va prendre le Uzi. N'oubliez surtout pas que
Le bullet time de Max Payne, c'est essentiel. Servez-vous-en comme ça, ça fait toujours plaisir et ça a toujours le style comme avant. Vous avez vu, je suis bien planqué. Hein. Allez hop, on se relève. Donc toujours avec le flingue. Allez, je vais prendre ça. Donc là, ah, il est pas mort lui. Je sais pas si c'était lui ou un autre. Ah bah là, ça y est, je croyais qu'il était encore pas mort. Donc allez, on a récupéré quelques balles. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai vu que j'ai bien fait de me cacher. Allez hop. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, faut pas y aller comme un bourrin. Utilisez autant que possible le bullet time, le shootage. Parce que c'est vrai que si vous n'utilisez pas le bullet time et le saut plongeant comme ça, bah ça perd un petit peu de sa saveur. Bon, bah voilà. Je crois que c'est fini sur cette partie. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis éclaté. Donc, j'espère que comme moi, vous allez vous éclater aussi. Allez, on se recule parce que sinon, on va se faire sauter la tête. Moi, perso, quand je commence à jouer, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, je vais vous laisser. Enfin, je vais couper la vidéo. Et puis, je vais vous laisser là, comme ça, avec le fond, New Jersey, je sais pas si je peux monter, oui, si de toute façon c'est là qu'il faut aller, avec New Jersey en fond, et puis Max, qui va s'éclater la tête. Bon allez, à bientôt, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me suivre pour les prochaines vidéos. Allez, salut. Heard something. Up there! Up where? Up there! You bitch. No, there he is! Shoot him! God damn it! Help there, brother? I needed help 5 minutes ago. Looked like you were doing fine. Well, it doesn't feel that way. Well, you ain't lost it. Hey, it looks like there might be a way down through the wreck up here. There were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. They don't need to second guess us when they're covering all the angles. I